La team, juste avant que la vidéo commence, s'il vous plaît, laissez-moi un maximum de commentaires, un maximum de likes en bas de la vidéo. La vidéo m'a pris énormément de temps, c'est la première de ce concept, il va y en avoir plein d'autres. Ça m'a pris énormément de temps à monter, à tourner, on a passé un moment vraiment incroyable. Merci beaucoup à Bastien et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. C'est parti. Hey yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la plus grosse vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on va aller suivre un sportif et pas n'importe quel sportif puisque c'est le champion de France dans sa catégorie. On le retrouve tout de suite chez Sport Pro Santé. C'est sa salle de sport où il s'entraîne en coaching privé. Je vous emmène avec moi. Allez, venez, venez. Et voilà la team, du coup, on se retrouve à l'intérieur. Je te laisse te présenter. Salut à tous, Sébastien Blanquet, champion de France de paddle. Médaille de bronze dans la championne du monde. Voilà. Et vous avez suivi une journée avec moi, un inside avec mes prépas physiques et les entraînements paddle. Voilà, on est parti. Ok, on se retrouve tout de suite alors du coup avec... Dylan. Chanté Dylan. Chanté. Kevin. Dylan, coach sportif du coup dans cette salle privée. Dylan va nous expliquer à quoi nous sert cette plateforme que je ne connais pas du tout. Et du coup c'est des plateformes de force. Ouais. On les utilise pour Bastien, pour faire un monitoring, okay, pour mesurer son taux de fatigue et le suivre dans le temps. Okay. On va mesurer la hauteur de saut, les asymétries jambes droite jambes gauche. Et voilà, comparer par rapport au test qu'on a fait la semaine précédente. Ok, ça permet de tout comparer. Voilà, ok, super. 41 oui. Ah bah c'est bien. Oui. Bah c'est plutôt bon. Ouais. Battu le record. Ouais. C'est pas mal. On a ça en vidéo. Il a battu le record. Et la team, du coup, on se retrouve tout de suite avec Benoît. Benoît, enchanté. Kevin. Enchanté, Kevin. Merci de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Vraiment plaisir. Il nous accueille du coup dans la structure pour le coaching de Bastien. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne ici dans cette salle. Dans cette salle, en fait, depuis qu'on l'a créée, on est spécialisé dans la prise en charge individuelle en fait, de la personne. Donc, okay. On a des sportifs de haut niveau, okay. Des professionnels, mais pas que. D'accord. Il y a des gens qui viennent ici pour chercher notre savoir-faire. Notre, okay. Vraiment tous nos programmes individualisés dans un lieu un petit peu atypique où la technologie et l'équipement est semblable à ce qu'on peut retrouver dans les structures professionnelles de haut niveau. Okay. Et donc on procède que par des entraînements individuels. C'est-à-dire que Bastien, quand il arrive, il y a son coach qui l'attend, qui a préparé sa séance. Toutes ces séances sont préparées de manière précise et Bastien est coaché pendant son heure et demie d'entraînement par une personne qui s'occupe que de lui. Ok, c'est cool. Et du coup, depuis combien de temps tu t'occupes de Bastien ici? Depuis 2017. 2017, donc ça commence à faire un moment. Et oui. Comment elle se fait la connexion? C'est fait par Alexis Salles, okay. qui est maintenant l'ancien capitaine de l'équipe de France de paddle. Il a arrêté récemment et avec qui je travaille par ailleurs parce que enfin, son métier c'est comptable. Ok, voilà. Ça marche. Et donc Alexis, je le connais depuis un petit moment. Je l'ai soigné parce que je suis kinésithérapeute aussi. D'accord. Et voilà, la connexion s'est fait comme ça. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir aujourd'hui et allez, à une prochaine plaisir. Fois. Allez, ça marche. Salut. Ok la team, du coup on se retrouve, fin de l'entraînement physique de Bastien, le premier entraînement pour ce matin. On est devant un club voisin, Bastien va faire une petite partie amicale avec son coach et deux copains à lui. C'est des mecs qui sont top 30 donc ça va jouer encore l'acier et c'est parti, je vous emmène avec moi. I'm gonna make it to the top. Legacy. If I got some in the sea.
Ok la team, du coup, fin de cette première matinée avec Bastien. Du coup, on se retrouve au Gents Club. On va manger un bout et après direction l'interview sur les terrains du Stade Toulousain. C'est parti. Ok, on se retrouve tout de suite du coup, petite interview du coup avec toi Bastien. Alors, présente-toi un petit peu et présente un petit peu ton parcours dans le padel. Ok, ben Bastien Blanquet, j'ai 27 ans, je suis toulousain d'origine. Ok. On est ici au Stade Toulousain Tennis qui est mon club. Je suis 4 fois champion de France. 4 fois. Je suis joueur de padel depuis 6 ans maintenant. J'ai vécu quelques années à Madrid. Ok. Pour le début de ma carrière, je suis rentré l'année dernière sur Toulouse. Voilà, médaille de bronze avec la Team France l'année dernière à Dubaï. Ouais. Tout récemment ça, tout récemment. Je suis 6ème français je crois, quelque chose comme ça. Je suis 140ème mondial. Et puis ouais. Comment justement tu es passé d'un joueur, on va dire, avec un bon niveau, mais plutôt amateur, à un joueur professionnel? Comment la transition s'est faite? Elle s'est faite, j'ai commencé le paddle moi à l'âge de 13-14 ans, okay, à Blagnac, à côté de tout premier club, le club qui s'appelait Paddle Plus, okay, qui était un club municipal. J'ai avec des murs en béton, non? Exactement. Ils y sont encore. Exactement, ils y sont encore. Le club, l'association existe toujours. Exactement. Toujours le même président, Philippe et tout, et je passe de temps en temps les revoir. Ok, c'est cool. J'ai commencé là-bas et à l'âge de 16 ans, je me qualifie pour les championnats du monde adultes à Cancun. D'accord. Voilà, il y avait peu de joueurs encore, donc je me qualifie, je fais un tournoi un peu exceptionnel sur Aix par rapport à mon niveau de jeu habituel. Okay. Je me qualifie et je me retrouve à l'âge de 17 ans à partir là-bas quelques mois après. Et en fait, ça a été un petit peu l'élément déclencheur où je suis tombé amoureux du sport quand j'ai commencé. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce truc. Ça a toujours été un rêve, le sport de haut niveau. J'y pensais quand même depuis petit. Et puis après la fin de mes études, après mon BTS, j'ai eu l'opportunité, grâce à mon ancienne équipe d'entier, de pouvoir partir sur Madrid. Ok. Et puis voilà, et puis après j'ai gagné premier champion de France avec Joan Bergeron. Et après ça s'enchaîne, hein, tu fais le circuit et tu vas. Et tout va très vite. Après ça s'enchaîne vite, ouais. Okay. Et la vie passe très vite quand tu es à l'étranger, quand tu vis ton sport, quand tu vis ta passion, pendant ça passe très très vite. Très vite. Okay. En parlant de vivre justement de sa passion, comment ça se passe un peu sur l'aspect financier sur une saison de paddle? Les premières années ont été compliquées. Ouais, on imagine. Une saison pour moi, les premières années, elles me coûtent entre 20 000 et 30 000 euros. Les premières années. Les premières années quand tu es à Madrid, ouais, du coup. 2017, 2018, 2019, on va dire ça. Aujourd'hui, il y a quand même un coût de la vie qui augmente aussi, en règle générale. Et aussi, il y a tout l'aspect entraînement physique, prépa mental qui rentre, un peu plus de kiné, un peu plus d'ostéo. On va chercher aussi d'autres domaines à développer pour être meilleur. Et donc une saison aujourd'hui, elle coûte entre 40 et 50 000, voire peut-être un peu plus, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le nouveau circuit qui est en train de sortir, on voyage de plus en plus loin. Et oui. Même si l'hôtel est pris en charge, les voyages, quand tu pars à Dubaï ou en Amérique du Sud, les voyages ne sont pas pris en charge. Voilà, les voyages ne sont pas pris en charge, donc tu pars un peu plus loin. Donc ouais, on va dire aujourd'hui aux alentours de 50 000 euros, entre tous les entraînements. Entraînement physique matin, entraînement paddle dans la foulée, un entraînement physique ou paddle dans l'après-midi. Sur un an, c'est plus cher. Okay. Et donc ça, de 50 000 euros, ça se finance du coup avec les sponsors, plus tes prize money de l'année? Moi, exactement. Ouais. Au tout début, j'avais une partie que je finançais moi en perso. Okay. Grâce à mon BTS que j'avais fait en alternance, en fait, j'avais pu mettre pas mal d'argent de côté. Donc j'ai financé ma première saison comme ça. On avait un ou deux sponsors qui nous avaient aidés au tout début. Okay. Et maintenant j'ai la chance, comme j'ai 4 champions de France, j'ai créé une belle communauté sur Toulouse, un petit peu de notoriété que j'ai maintenant. Donc on a créé un business club ici au Stade Toulousain avec plusieurs sponsors. Okay. On est presque 20 sponsors. On se retrouve tous un mercredi par mois à jouer ici. J'ai aussi d'autres sponsors, un de mes partenaires un petit peu plus gros, dont Renault, dont Bull Paddle, dont Blanco, dans le Stade Toulousain aussi ici, d'autres entreprises privées aussi qui sont sur mon maillot. Donc voilà, on arrive à créer des trucs et aujourd'hui j'arrive à financer et même à gagner de l'argent. Et je pense que je suis un des premiers joueurs à gagner de l'argent sur le paddle. Sur le paddle, ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Dans le top 10, on sait que dans le top 10 français, non, c'est compliqué de gagner de l'argent. Ouais, exactement. Sur les gains en price money, on peut le dire parce que ça a été communiqué sur Roland Garros. Voilà, j'ai passé un tour, j'en avais Wildcard, nous. Ouais, Wildcard tableau final. Avec Adrien, on avait Wildcard tableau. On a passé un tour, on a gagné 2900 euros. Ok. Presque 3000 euros, ce qui est énorme par rapport au sport et l'économie qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il n'y a pas non plus une économie folle.
mais c'est pas non plus 3000 euros sur un tournoi, c'est pour vivre, c'est quand même compliqué. Plus, voilà, si on compare avec d'autres sports par rapport à votre niveau, si on prend les 10 meilleurs français par exemple dans le tennis, qui est un sport qui est assez proche du paddle, eux avec juste les sponsors et les prize money qu'ils prennent en tournoi. Prize money, un grand chelem, si on compare, c'est 40 000 euros, je crois. Un premier tour à Roland-Garros, ça doit être 60 000 euros peut-être. Vas-y, dis pas de bêtises, donc ça reste quand même. Donc ça reste ça. Sur les 3000 euros, t'as un petit peu d'impôts, donc ils t'enlèvent les taxes, donc je sais pas, ça m'a dû recevoir 2600, 2700, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, mais c'est bien, ils commencent à avoir de plus en plus de gains sur les tournois, donc c'est cool. Ça c'est bien. Ouais, ok, cool. Ok. Et comment tu organises justement ton année de paddle avec l'entraînement, avec les tournois, etc. Comment on peut organiser un peu un mois Si j'étais Bastien Blanquet, comment j'organiserais mon mois? Dis-moi. Ben, moi c'est janvier jusqu'au 10 février, c'est une pré-saison vraiment physique. Ok. Une pré-saison foncière, j'ai 9 séances physiques par semaine. Ouais. Donc bonne session. C'est très dur, ça tape fort, on me met dans le dur, mais c'est pour préparer la saison et il n'y a pas le choix, faut passer par là. Ah oui. Donc là tu vois, vous me suivez aujourd'hui sur une journée, donc c'est une journée un peu particulière. J'avais physique ce matin, j'ai enchaîné par du paddle, je retourne au physique dans 2 heures et j'ai re-paddle individuel avec mon coach du panier pendant 1h30, donc c'est vraiment particulier, c'est pas comme ça durant l'année. Après, à partir du 10-15 février, quand les tournois vont commencer à en reprendre, je vais faire un ou deux tournois de préparation. Et là, on va réduire un petit peu le physique. Okay. On va être, je sais pas, j'ai une bêtise, hein, à peu près à 3-4 physiques par semaine en fonction des semaines, c'est toujours pareil. Donc on diminue de moitié à peu près. Ouais, à peu près de moitié. Et après, ça va être en fonction du tournoi où il est aussi, quand je pars, etc., mon état de fatigue aussi. On va prendre le paddle tous les jours, par exemple, parce qu'aujourd'hui, je fais. Là, j'ai fait 2 sessions aujourd'hui paddle, mais normalement, sur la pré-saison en janvier, je fais 3-4 paddles en semaine. D'accord. Okay. Pas plus, parce que. Me tue ça totalement, donc faut que je fasse attention de ne pas me blesser et tout. C'est important. On va dire début de saison, je priorité physique. Okay. En février, je bascule sur du paddle. Et après, le restant de l'année, on adapte en fonction de. Bah, si j'ai pas un week-end de tournoi, bah, on va faire un peu plus de physique pour rebosser quelques trucs qu'on n'a pas le temps de bosser. Et sinon, du paddle, ça dépend. Voilà, on s'adapte. Mais on va dire, sinon, après, de mars à novembre, ça va être un paddle le matin, un physique l'après-midi. Pour imager et peut-être un autre paddle dans la journée. Ok, voilà. Donc ça reste quand même ça reste, beaucoup de sport à faire dans une journée. 5 paddles par semaine, entre 3 et 5 physiques la semaine. Okay. Ça dépend un peu. Donc, voilà. Et puis après, ce qu'on voit pas aussi, mais les séances de prépa mentale, les rendez-vous avec les diètes, les soins avec les kinés, les ostéos et toutes les personnes qu'on peut voir aussi en haut. Okay. En parlant de voyage justement et de paddle à l'extérieur, comment tu arrives à gérer ta vie professionnelle, le sportif professionnel et ta vie personnelle? Est-ce que les deux arrivent à se chevaucher correctement ou est-ce que de temps en temps ça peut créer des petits soucis dans le perso? C'est pas facile tous les jours, surtout quand j'étais à Madrid et quand tu loupes. Moi j'ai 2 grandes sœurs, donc j'ai des neveux et nièces. Quand tu loupes les anniversaires ou quand tu loupes les anniversaires des parents ou des sœurs ou les petits, quand tu les vois pas souvent et tout, là c'est des choses qui peuvent. Moi, c'est des choses qui peuvent des fois être un peu, qui peuvent te rendre un peu triste ou être un peu dur. Sinon, quand tu vois pas ta copine de long moment et tout, ça peut être un peu compliqué. Là, quand je suis revenu à Toulouse l'année dernière, c'est un peu plus simple. Ouais, tu vois ta famille, tu peux voir ta famille en semaine, tu sors de l'entraînement, tu vas les voir, c'est différent. Même si tu loupes l'anniversaire, tu as la contrebalance où tu les vois dans un autre moment. Et écoute, pour le moment, moi, j'arrive à bien articuler. Quand j'étais à Madrid, c'était différent. Après, j'étais plus jeune, donc t'as pas non plus la même vision des choses non plus. Bien sûr. Mais maintenant, depuis que je suis rentré, franchement, j'ai trouvé un bon équilibre. Mon choix de rentrer à Toulouse a été vachement critiqué, tu vois. Ouais. Mais quitter l'Espagne, le pays du padel, etc. Et aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'ai trouvé un bon équilibre entre ma partie perso, pro, mes entraînements physiques, sport pro santé que vous avez vu ce matin, qui est un gros centre d'entraînement, tu vois. Bien sûr. Où j'y passe énormément de temps par jour, parce que j'ai mon kiné, j'ai un peu tout là-bas ce qui se passe. Et le paddle ici, au Stade Toulousain ou au Toulouse Paddle Club, tu vois, sur les périodes hivernales où je m'entraîne là-bas. Franchement, j'ai trouvé un bon équilibre et je suis très heureux, ça se passe bien. Et tu vois, j'ai été champion de France l'année dernière, la médaille de bronze et tout, j'ai fait une bonne fin de saison aussi. Avec Roland Garros, tu vois, bon, j'ai fait 2-3 bons résultats sur Apple Tour ou les FIP. Franchement, ça va, ça se passe bien. Tu vois. Oh, c'est cool, c'est bien pour toi. Ouais, franchement, c'est cool. C'est une bonne chose. Donc, le pro et le perso, ça lit bien. Okay. C'est plutôt bien. Ouais. Ok, en revenant un petit peu plus au paddle, quel est ton plus gros point fort au paddle? Mon plus gros point fort, moi, ça va être ma défense et je suis un joueur contre-attaquant. Ma défense et la contre-attaque. Okay. Donc, être capable de bien anticiper d'autres trucs, mais ça, la vision du jeu, l'anticipation, la lecture et tout. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui Mon pire défaut
Non. Allez, on peut la faire quand même, on peut la faire quand même. Allez, ton pire défaut au padel, si t'avais quelque chose à améliorer, on va dire. Ça a été longtemps. Longtemps ma phase d'attaque, surtout mon smash tapé, par exemple, j'ai pas le smash d'un Scatena, ou si je me compare, ou même d'un LeBron, ou des choses comme ça. Ça a été mon petit péché pendant quelques temps, et qui est en train de changer, qui est pas en train de devenir un point fort, mais presque en fait. Okay. Donc c'est bien, j'ai bien bossé dessus, donc voilà. Donc en fait, on est sur un point faible qui est en train de devenir un point fort. Ouais, exactement. Okay. Voilà, okay. Ça va. Dernière question du coup, si aujourd'hui il y avait un jeune qui nous écoute et qui nous regarde et qui a envie comme toi de devenir plusieurs fois champion de France et d'être professionnel au paddle, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? D'être passionné de son sport déjà, c'est un des passionnés, et après de travailler. Il y a beaucoup de travail. Mais oui. Je pense qu'on se rend pas trop compte, mais moi qui suis dans un profil quand même, je travaille beaucoup, je m'entraîne beaucoup et tout, j'essaie de me donner à fond dans tous les domaines, que ce soit la partie sportive ou la partie sponsoring aussi, partenariat, tu vois, j'essaie de me donner à fond dans tout. Des fois c'est pas facile de lier les deux, mais d'être amoureux de son sport, je dirais, de s'entraîner beaucoup, de s'entourer des bonnes personnes. Moi j'ai eu la chance de m'entourer des bonnes personnes assez rapidement, donc je me suis créé un bon entourage et un bon milieu autour de moi, tu vois. Okay. Et après le quatrième point, de prendre du plaisir sur le terrain. Ouais, c'est important. Tu vois, c'est quand même important. Je suis pas arrivé là non plus sans rien, donc. Donc jouer à gauche pour toi. On en revient à ça. On peut revenir à ça. Ok. Merci beaucoup pour l'interview. Avec plaisir. Et on se retrouve du coup tout de suite pour la deuxième session physique. Exactement. Allez, c'est parti. Ok la team, du coup fin de l'interview avec Bastien. On s'est retrouvé sur les terrains du Stade Toulousain. Merci encore à eux de nous avoir accueillis pour aujourd'hui. C'était vraiment vraiment sympa. Et on se retrouve tout de suite du coup chez Sport Pro Santé pour la deuxième séance de Bastien en séance physique axée sur la force. J'espère que je pourrai le défier sur un ou deux exercices. Il m'a promis qu'on ferait un petit défi. Et on se retrouve là-bas tout de suite. C'est parti. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Ok. Allez, boum. Allez, un coup. 1-0-8. 1-0-7. Dernière. C'est juste derrière. Voilà. La team, du coup on se retrouve fin du deuxième entraînement de Bastien cet après-midi. C'est cool parce que j'ai pu participer un petit peu à son entraînement axé sur la force. Il est vraiment vraiment bon physiquement, il peut soulever des grosses charges et moi pas du tout. Vous verrez ça dans la vidéo, je vous laisserai voir ça. Bastien m'a demandé de prendre mes raquettes avec moi pour son deuxième entraînement. J'imagine qu'il a une idée derrière la tête, je sais pas, on va voir ça sur le terrain et on se retrouve tout de suite. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, wonder if my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Okay, I'm ready for it. I have a sense of urgency, a message for eternity. For everyone to tell me, I had to put a burden me. But now they fucking want to see. I ain't the one to fuck with. Now they're looking nervously. And I don't really care what you think of me. Qu'est-ce que tu veux? Il reste au fond. Ouais. Toi, tu fais ce que tu veux. T'as le droit de jouer que dans la diago, évidemment. Deuxième rebond dans la. Et lui, il a pas le droit de monter. Okay. J'ai le droit de lever, de tout faire, j'ai pas le droit de monter. Okay. Je lui ai 10-0, tu passes sous le filet, filmé. Thank you.
C'est bon. On pourrait quand même dire que j'ai mis 2 par 3 à un top 10. Ça, je garde ça. C'est vrai. J'ai lobé un peu court pour le coup. Ça, c'est vrai aussi. Mais ça, faut pas le dire pour la vidéo. Ça, c'est entre nous. I'm taking shots. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Ok la team, du coup on se retrouve, on est fin de journée. Les deux entraînements sont finis, deux entraînements de paddle, deux entraînements de physique. Ouais. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui, Bastien. Avec plaisir, merci à toi. Ouais, c'était vraiment 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 sympa. Aujourd'hui on se retrouve, là du coup on est chez toi. Ouais, exactement. Là c'est fin de journée. Exactement. Petite question de fin. 19h. Ouais. Et ouais, bonne journée, écoute, hein, bonne journée. Ouais, c'était vraiment cool. Ouais. Merci de m'avoir pu laisser jouer avec toi un petit peu. Ça m'a permis de voir un petit peu, bah, vous verrez dans la vidéo ce que ça a donné. J'ai pu passer sous le filet. J'avais pas encore fait ça, donc c'est vraiment cool. Petite question, maintenant qu'on est chez toi, il paraît que tu as gagné quelques trophées l'année dernière. Ouais, un petit vrai. Il paraît. Quel est le trophée dont tu es le plus fier là cette année? Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu tout ça? Ouais, bah, ça va être la médaille de bronze. Hein. Médaille de bronze. Et derrière il manque le cadre encore avec le maillot que faut que je fasse signer par les mecs, tu vois. Ouais. Mais la médaille, exceptionnelle. Tiens, tu peux la toucher hein, si tu veux. Ouais. La médaille de bronze, ouais, c'était cool. Hein. Bon, moi à Dubaï et tout, c'était super sympa. En plus, c'est avec Thomas, c'est nous qui donnons le point décisif. Donc, ouais, ça reste un très gros souvenir sur l'année 2022. Le groupe a bien vécu, c'était un très bon souvenir. Et après, okay. Le championnat de France l'année dernière, tu vois. Ouais. Là, championnat de France où j'étais présent. J'étais présent sur le côté. On se connaissait pas encore, mais moi j'étais présent en tout cas sur le côté, je l'ai vu. C'était le trophée championnat de France, tu vois. Ok. Qu'on a gagné avec Thomas, donc Thomas tu vois, était vraiment... Thomas 21 ans, on était super content, on avait perdu l'année d'avant tu vois. Et sur les mêmes sur la même paire, sur Joe et Ben. Ouais. Et perdu, et toi du coup c'est ton quatrième. Moi c'est mon quatrième, exception. On a 4 aussi, Tiz en a un, Thomas en a un. Ouais. Pour regarder du coup la team en vidéo, le trophée de champion de France par équipe. Je sais pas si je l'aurai par paire, pardon. Je sais pas si je l'aurai un jour, mais on va dire qu'au moins je l'aurais tenu en main. Exactement. Après, souvent il change, il y a des. Je crois que j'en ai un là. J'en ai un autre. J'ai d'habitude dans des médailles. Médailles? Ouais. Du coup t'as beaucoup de médailles, non? Pour les championnats de France, ils donnent des médailles. Là tu vois, j'ai la médaille. Celle-là c'est 2019. Ok. Et celle-là 2017, tu vois. 2017. Excellent. Et là cette année ils ont donné un trophée. Enfin l'année dernière. Ok. Joli trophée. J'imagine que Thomas a le même du coup. Thomas a le même et la troisième médaille du troisième championnat de France en 2018, c'est ma maman qui l'a chez elle. Ah, chez elle. Ouais. Là, chez mes parents, quoi. C'est important. Ouais, mais elle voulait la garder. Ouais. Elle voulait la garder, la symbolique. Ouais, grave. Ouais, c'est normal. Et voilà, team, du coup, fin de cette vidéo avec Bastien. C'est la première fois que je fais un aussi gros concept sur ma chaîne. J'espère que ça leur plaira. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Parce que c'est pas rien non plus de recevoir le champion de France dès la première grosse vidéo que je fais sur ma chaîne. Donc c'est vraiment, vraiment super sympa. Y a pas de soucis, avec plaisir. Voilà. J'ai ouvert les portes. C'était. On a passé une bonne journée. Vous avez été discret. J'ai pu bosser. On a essayé, on a fait au mieux. Non, c'était vraiment génial. Merci encore à toi. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, un maximum de pouces bleus pour essayer d'avoir un maximum de camarades à toi maintenant. Parce que le but, ça va être ça maintenant, d'aller chercher les camarades. Bah, j'espère. Pourquoi pas ton partenaire Thomas, etc. J'espère qu'il répondra. Ça fait vraiment plaisir. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Ciao ciao. Thank you.